C'est vous qui êtes à la scène en fait. Donc, Exact. s'il y a à dire auprès d'autres abonnés et futurs clients Oui. comme vous, Oui. voilà, il faut déjà. Ah ben voilà, je vous dis comme quoi j'ai pu visiter l'usine, voir comment ils travaillent, comment ils reconditionnent, comment ils refabriquent carrément le véhicule. Donc moi qui viens de Paris, vous pouvez le constater avec tout le long du voyage, j'ai fait un film histoire de vous montrer tout mon trajectoire jusqu'ici. Et franchement, j'avoue que j'ai été très content de voir que ce qui avait été dit en ligne correspond exactement à ce qui est fait sur place. Franchement, c'est magnifique, tout est bien fait. C'est bien En fait. tout cas, moi, je suis impatient Ah. d'avoir mon camion. Bon, mais est-ce que j'ai caché quelque Ah chose? non, il n'y a rien de caché ici. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de différent entre ce que je montre sur YouTube et ce que tu as vu ici là? Au contraire, Ah. là, j'ai vu plus. Tu as vu plus, J'ai vu voilà. plus parce Plus. que, effectivement, sur YouTube, on sait qu'on nous dit on défait machin, mais là, j'ai vu Tu as comment on vu défait comment vraiment défaire le squelette du du camion camion, du début à la fin. le Le, matériel, mais, les pièces, les pièces, tout. tout est remonté, refait à neuf. Franchement, Tous les c'est. camions sont défaits. Ouais. Exactement, Donc, exactement. au Non, moins, c'est pas. c'est pas Ouais. vraiment. Voilà, c'est pas que des paroles. Les paroles. Voilà, c'est des actes. On n'est pas que des bons disants, mais aussi des Non. bons faiseurs. Ah ouais, c'est bon Voilà. Donc, faiseur. voilà. Donc, franchement, magnifique. Et j'espère que voilà, ce voyage vous servira aussi à décider. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on est à l'autre bout du monde. Bah, de faire confiance le jour maintenant avec tous les problèmes qu'on connaît sur Internet, de faire confiance à quelqu'un qui est Voilà. en Chine, on se dit, bah, il y a quand même un petit. Il y a quelque chose qu'on ne nous a pas dit. Mais là, franchement, il n'y a rien à cacher, tout est bien fait, tout est magnifique. Et franchement, moi, je suis. Mais sauf que je ne suis pas d'accord en fait. Oui. Lui, il m'a promis qu'il serait ici donc pour 2 semaines. Moi, j'étais Ah, content. ah Mais il me ouais. dit que donc, il fait à peine 5 jours, donc il va bientôt Ben repartir. ouais, Ah. malheureusement, comme vous pouvez C'est. le savoir, hein, le travail qu'ils attendent, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, le but, c'était de venir. Ok, ah. Franchement, voilà, là, je suis maintenant rassuré. Je suis serein. Je peux aller tranquillement reprendre Tranquillement. mon travail et attendre mon camion Voilà. Le tout en camion bonheur. sera bien fait. Donc, Voilà. comme tu as vu, Voilà. c'est tous les camions, c'est nos Exact. standards. Tous les Allez, camions qui ben sont oui. refaits à Tout à zéro. fait. Voilà. Tout à C'est pas fait. les vidéos ou les photos qu'on Oui. envoie sur main. C'est vrai. Nous Ouais. vendons les camions que nous fabriquons nous-mêmes Ouais, et tu vois que c'est tous les camions, c'est nos exactement. standards. Donc, Oui, non, ah. mais franchement, là, c'est magnifique. Tout est fait du début à la fin. Magnifique. Donc, merci beaucoup. Abonnez-vous surtout, vous aussi. Lorsque vous viendrez, je vous traiterai comme Voilà. Monsieur Ibrahima Sadio de la Exactement. France en Chine. Et à nous revoir à très bientôt. À C'est bientôt. votre partenaire, ami et frère, Monsieur Ken. Donc, à très bientôt. Le WhatsApp est là. Si vous en voulez, contactez-nous et puis on va faire du business, des affaires en Chine. Merci beaucoup. Que je Merci à vous vous. bénisse richement. Merci. Allez. Donc, c'est comme je dis dans toutes mes vidéos, c'est comme j'explique souvent que lorsque le camion arrive, la première étape, on défait le camion. D'accord. Nous, on a besoin que du châssis. On a besoin que du châssis. Et le reste, on renouvelle tout. Nous, ce qu'on garde, on a besoin que du châssis. Tu vois? Parce que D'accord. ça, c'est le squelette du camion. Exact. Bon, on a besoin que de ça. Donc, tout Exact. ce qui est vieux là, Oui. on enlève. Ouais. Tu vois? La besoin de défaire le châssis pour prendre seulement ça Pour seulement. mettre, d'accord, Et pour le ressembler reste, à tu vois les ça. boulons, tu vois, les boulons là, Oui, c'est oui, neuf. Tu oui. vois? Ça, c'est neuf. Tout est resserré. C'est resserré. Donc, on a les boulons, je vais te montrer là-bas, les boulons qu'on a achetés Oui, pour pour remonter le remettre, camion. d'accord. Ça peut faire 50 ans, 60 ans sans des Sans problèmes, sans problème, problème. C'est ça ce d'accord. qu'on garde. Et le reste, on change, tu vois. D'accord. Tu vois là-bas? Ils vont jeter tout, ils vont jeter tout, ils vont garder que ça là. D'accord. Et ils replacent maintenant autre chose, tu D'accord. vois. Okay. Donc ici par exemple, ici, Oui, tu il y a vois des tous ces vis. boulons là, Oui. c'est ce qu'on va maintenant remonter, tu vois, sur le châssis. Donc C'est après d'accord. avoir récupéré le châssis là maintenant, Oui. il remonte tout, tu vois. D'accord. Les boulons sont là, tu vois, les boulons qui remontent là. Les D'accord. boulons sont là, tu Ouais. vois. Non, le moteur est là, tu vois. Là, c'est D'accord. le moteur qu'on remonte, tu D'accord. vois. Et tu vois, ça, c'est nouveau là. Tu vois que Ok. tout est remonté, tu vois, Ouais. que tu vois. Oui, Tout est refait là, tout à fait. avec le matériel qu'il faut pour bien remonter, Oui, tu vois. oui.
Les pneus tout neuf. Tout neuf, tu vois. Et d'origine. D'origine, voilà. D'origine. Et j'avais dans ma vidéo où le frère de la RDC, oui, quand ils ont vendu un faux camion, oui, tu peux voir, viens me voir à l'intérieur ici là. Regarde à l'intérieur, partout à l'intérieur, je sens que c'est bien fait. Ouais. C'est pas du backlash, tu vois. Non. Regarde même ici là à l'intérieur, là, faut bien regarder là. Tu vois que c'est bien fait. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. C'est bien fait. Tout à fait. Maintenant, ceux qui achètent le Pro par exemple, ça, ce sont les anciens câbles électriques qu'on repart. Les anciens câbles électriques qu'on va inspecter. Tu vois, c'est des câbles électriques qu'on va inspecter et puis reparer. Maintenant, ceux qui achètent le Pro Max, ça, on enlève, on jette, on remplace les nœuds. D'accord. Tu vois? Voilà. D'accord. Et tu remarqueras que c'est pas seulement un camion qu'on défait, tous les camions. Oui, tous les refait à neuf. Donc, lorsque les camions arrivent, on déshabille tout. Donc, tu vois que tous les châssis, sur les châssis là. Oui. Donc, quand le châssis arrive, on jette le reste. Oui. On jette tout, on garde que la structure du châssis. Oui. Tu vois? Là par exemple, tu vois, on a tout enlevé et on remonte à zéro. D'accord. Ici par exemple. Tu vois que on a tout enlevé. Oui. Là aussi, on a tout enlevé. Ce n'est pas seulement que deux ou trois camions qu'on monte, tous nos camions ici, là, on enlève tout, on refait à zéro. Tu vois? Ouais. Faut regarder bien ici là. Tu vois que ça, c'est encore fort là. Il n'y a pas de. C'est encore fort bien retravaillé. Oui, tu vois. Ici, c'est là où on refait les cabines, tu vois. D'accord. Là par exemple c'est une cabine qui est en train d'être refaite. D'accord. Ok. C'est pour ceux qui achètent le Pro, comme toi là. Oui. Mais quand tu prends le Pro Max, la cabine on la jette, on achète une nouvelle cabine. D'accord. Mais ceux qui achètent le Pro, donc le standard, le basique, on refait la cabine. Donc d'accord, tu vois, même la cabine là on la défait, on fait partie par partie. Là c'est la devanture de la cabine qu'on refait. Vers 14h, ils seront nombreux, tu vois, les cabines qu'on refait ici là. D'accord. Et donc tu remarques ici là, c'est un long processus. Il y a une équipe spécifiée. Tout à fait. Tu vois, une équipe qui défend le camion, une équipe qui gère que les moteurs, une équipe qui gère les essieux, et une équipe qui font que la cabine. Exactement. Et ces travailleurs ici là sont des expérimentés. Okay. Certains ont travaillé à Sinotrop. Oui. Et pour d'autres, ils ont fait ça, ça fait je crois 20 ans, ils font que ça. 25 ans, d'accord, ils font que ça. Okay. Donc ils peuvent travailler même les yeux fermés, ils savent. Ils savent quoi faire. Voilà, sans problème. D'accord. Maintenant, regarde ça par exemple. Ce qui appelle réflexion. On fait réflexion. D'accord. Tu remarques que. Voilà. Après, on va maintenant placer, on va tout remettre en place et puis on va maintenant poser sur le camion. Là, c'est des sièges qu'on a achetés et puis on a posé. Donc c'est une ancienne cabine, on l'a défait, on a fini de faire la peinture et on repose les sièges là. On les repose les sièges. La cabine neuve vient avec ses vitres déjà. Oui. La cabine neuve vient avec ses vitres tout fermées. Oui. On n'a pas besoin de faire tout ça. On ne fait pas tout ça. Oui. On pose directement sur le camion. Mais ça, on a d'abord décomposé. Oui. On l'a mis là-bas. On la repelle. Oui. On la remonte et puis on la réflexionne. Tu vois? D'accord. Viens voir ici là. Donc là, c'est la cabine. On est de refaire la cabine. Donc, on a posé les sièges. On va tout poser bien là et ça revient à neuf. Ça, ce n'est pas une cabine neuve. C'est une cabine ancienne qu'on a reconditionné, qu'on a renouvelé. Oui. Parce que la cabine neuve vient avec ses vitres, tout ça là. Ça, c'est la cabine qu'on vient de monter. Donc, on a déjà posé les sièges, le plafond et tout. Après, on posera la vitre. Hein? Ah, c'est juste la poussière. Oui. Après, on posera les vitres bien et la cabine redeviendra tout neuf. Ici, c'est les cabines qu'on refait ici là. Ah. Là aussi. Ah. C'est là. Il y a la soudure là. Voilà. Il y a le fer. Là aussi, c'est les cabines. Oui. Les cabines qu'on refait ici là. Voilà. D'accord. Donc le travail est fait minutieusement. Ouais. C'est
C'est tous nos camions. Oui. C'est pas seulement. Oui. Non. Tous nos camions. Oui. Tout refait, quoi. Que tu achètes le Pro, le Max ou le Pro Max, tous les camions sont refaits à zéro. Tous les camions sont refaits à zéro. Maintenant là, oui. Ce sont les bus. D'accord. Là, ce sont les bus. Tu vois, c'est ancien là. Ouais. C'est ancien. Oui. On va nettoyer, on va le reconditionner, on va refaire la peinture, ouais. l'améliorer et puis on va. Ceux qui sont de transport, des bus et tout, oui. Voilà, on va amener. Non, là, c'est les camions qui sont presque faits, par exemple. C'est les camions qui sont presque faits. Fini, ouais. Qui sont presque finis. Voilà. On a là, oui. C'est le camion qui est presque fini, à 95%, parce oui. que il y a au moins quelque chose qui va encore ajouter, à modifier à l'intérieur pour le camion fait. Mm-hmm. Mais quand tu vois, oui. Regarde comment le travail est fait, oui. Tu vois, oui. Tu vois. Ça, c'est pas du Pro Max, c'est du Pro. Oui. C'est l'ancien moteur oui. qu'elle a travaillé comme ça, l'ancien moteur. Tu là. Peux voir, regarde bien mon frère, d'accord. Tu es là, donc, tu vois, en personne, donc, moi, je vais regarde avoir, bien mon frère, regarde je bien. Je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ton camion sera semblable à ça, ton camion sera semblable à ça. D'accord. Est-ce que tu vois? Ouais. Tu peux monter voir à l'intérieur. Tu peux monter voir. Monte allez. Bien voir mon frère. Moi, on va monter. Il faut être démocratique, ouvert, ouais. transparent. moi c'est... On est là, on en profite. Voilà. Hop là. Ah ouais, effectivement. La cabine. C'est comme je dis là, 95%, oui. on va encore placer, arranger le tableau de bord, quelque on va remplacer les trucs qui manquent à la cabine, mais tout à fait. Voilà. Mais c'est déjà bien avancé là. Ah mais c'est magnifique, c'est formidable. Mais c'est bien. Ouais. Tu vois? C'est vraiment très bien. Ouais. Comme ça, on a vu de nos propres yeux. Parce que c'est vrai que parfois, quand on voit certaines choses à la voilà. vidéo, on se dit comment ça se fait. Voilà. Est-ce que c'est pas. On ne vend pas du rêve. C'est ça, voilà. Mais là, voilà. Le réserve, tout est là. Tout est ouais. bien neuf là. Ouais. Et tu vois. Ça, c'est neuf. C'est du neuf. Ouais, les réservoirs. Voilà. Réserve neuf, tu vois. Ouais. Ouais. De toute façon, tout tu est refait. Tu vois que les suspensions oui. ont été resserrées, tu exactement. Vois. On a bien resserré là, oui, tu vois? Oui, oui. Tout à fait. Ouais, ça, c'est le 8 roues. Oui, oui. Ça c'est le. Ça, c'est le 10 roues. Le 6x4. Oui. 10 roues. 10 roues. Ah, ok. On a 8 ici et oui. 2 devant là-bas, tu vois? Ok. Le réservoir oui. est changé, tu vois? Un nouveau réservoir. Donc, ça, c'est le Pro. Ça, c'est ouais. le Pro. Tu vois? Réservoir. Tu vois, le bolide est là pour oui. pousser, tu ah, vois ouais. ah. ça, c'est important aussi, c'est vrai que... Donc ça, c'est un moteur reconditionné. C'est oui. notre moteur qu'on a travaillé là-bas. Quand tu as vu là, qu'on oui. travaillait, oui. tu vois comment il vient. Tu vois que ouais. le travail était bien fait bah, de façon ouais. impeccable, tu vois. Magnifique, magnifique. Voilà. Magnifique. On devient, ah. redevient tout neuf. Ah. Franchement. Ah. Maintenant ici, c'est les camions qui t'en attendent, puisque entre temps, il y avait le contrat de l'environnement. Oui. Les camions qui sont voilà ici ça, c'est, hein. donc tu peux tout voir que oui. hein. tu peux voir là-bas donc à part ça qu'on a gardé tu vois oui. que le reste du travail est bien fait là tu vois ouais. rien ouais. rien te gêne tu peux ouais. bien voir mon frère regarde ouais. mon frère tu peux ouais. voir tout à fait tac 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 bon. bah oui ouais. donc pour ceux qui achètent le Pro oui. on garde ces mêmes tuyaux air et câbles électriques oui. là, on garde les mêmes, oui. mais on s'arrange que oui. ça marche. Oui. Les câbles, quand ça marche, ça marche, quand ça marche pas, ça marche. Genre, vois, ça marche. On s'arrange que ça marche, on le oui. garde. Oui. Et pour ceux qui achètent le Pro Max, oui. ça là, on si enlève, ça, on jette, okay. on remplace le nouveau. Ouais. Oui. Du moment où ça marche. Voilà. Par exemple, il y a des clients qui achètent le Max. Oui. C'est quoi le Max? Le Max, c'est ce qui est entre le Pro et le Pro Max. Le par Pro exemple, Max. Lui, il veut qu'un nouveau moteur, il ne veut pas
Voilà. Voilà. Et donc, on peut mettre un nouveau moteur et par exemple, ça, on refait ça ce mois. Tu vois, ça, c'est l'ancien qu'on a replacé. D'accord. Mais quand tu prends le Pro Max, même ça, là, c'est nouveau. Oui. Tu vois, non oui. Oui. Donc, c'est ça. Donc, tu vois que. Oui. La différence. Là, c'est des câbles anciens, en fait. C'est des câbles anciens. Mm-hmm. Mais on va se rassurer que ça marche. Oui, que ça fonctionne. Quand ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche. Donc, ça fonctionne, on date. Mais quand c'est le Pro Max, ça là, ça, on jette ça, ça là. Ça là, on jette ça. Oui. On place le nouveau. D'accord. Mais comme on a payé le Pro, on va seulement regarder les anciens qu'on va réparer. Oui. Et puis voilà. D'accord. Ah. Mais les radiateurs, tout ça, c'est. Ça, c'est neuf. Ouais, c'est neuf. Mais pour le Pro, c'est pareil. Voilà. C'est tout neuf, quoi. Ah. Donc, tu sens que quand tu payes l'argent chez Engine Trust, tu payes pour la qualité, pour le bon travail bien fait. Tout à fait. Tout si tu as une question, il faut poser mon frère. Oui, non, parce mais que, là, je pense que tout est clair. Tout est clair, tout est clair. J'avoue que. Maintenant, ici, c'est les cabines neuves pour ceux qui achètent le Pro Max. D'accord, ok. Ouais, les cabines déjà. Prêt à être posé. Voilà. Il y a les chaises. Voilà. Je remarque que ces cabines-ci sont différentes des cabines que j'ai montrées là-bas quand on travaillait. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois. Ça, par exemple, c'est les cabines pour le Pro Max. D'accord. Tu vois que c'est venu emballé là, ça vient de l'usine. L'usine c'est les cabines Pro Max. Pour le Pro Max, tu vois? Oui. On a acheté comme ça là, c'est venu en balai directement, on pose. Tu poses, voilà. Y a rien. Et on fait les branchements. Tu sais que j'achète le pot, l'ancien là-bas, on l'a défait, on l'a peint comme j'ai montré, là, on la remonte bien pièce à pièce. Donc le tien, ça sera comme ça là-bas. Ça sera comme là-bas. Tu sais que j'achète le pot max, on prend ça, on pose le camion et c'est puis parti. C'est fini, voilà. Ok. Voilà. Un pot quoi. Un pot. Et. C'est l'ancien moteur, c'est pas le nouveau moteur, c'est l'ancien moteur, mais tu peux voir comment le moteur a été bien travaillé, l'ancien moteur, tu vois. Tout à fait. Tu vois. On voit que il est bien fait. C'est vrai que la poussée, c'est dehors, des fois il pleut un peu de poussière, mais tu peux voir le fond du travail, tu vois. C'est l'ancien moteur, mais tu vois comment le travail est bien soigné. Donc, comme M. Ken donne le prix, il y a une raison pourquoi les prix sont. Et là, quand tu t'achètes, tu te rassures que tu auras le cœur tranquille, tu vois. Ouais, non, là-dessus, franchement. Donc, tu vois, tout est là. C'est, tu vois comment c'est propre, bien fait. Tu as vu le travail, comment il est fait. Oui. Tu vois, c'est. Oui. Ah. Donc, là, pendant que les autres suivent, il faut poser des questions. S'il y a des questions, je réponds là. Voilà. Non, mais là, comme je te dis, là, franchement, on voit que tout est bien fait. Voilà. C'est magnifique, quoi. Il y a la clim et tout ça reconditionné. Voilà, tout est reconditionné, tu vois. On fait ce qu'on appelle par la chirurgie mécanique. Donc le camion subit une chirurgie. Oui. Donc on refait tout. Oui. On opère le camion. Exact. Voilà, on fait des greffes. Ouais. On peut appeler ça comme ça là, voilà. Voilà. Et donc là la cabine ça c'est un nouveau moteur. Les cabines donc ça c'est neuf ça. Ça c'est neuf. Non, ça c'est neuf. Ça c'est neuf, on refait la benne. La benne a été refaite. Ouais. Et la benne plutôt. Voilà. Là, c'est un moteur neuf. Tu remarques quand même la couleur du moteur est différente de ce qu'on a vu. Là, ce qu'on a vu, c'est un peu un vert foncé. Oui. Ça, c'est un moteur neuf. Tu vois avec quoi? Tu vois, c'est un moteur neuf qu'on a placé comme ça. D'accord. Okay. Tu vois que le travail, mon frère, tu vois que le travail est bien fait. Ben tu vois que c'est ça. Là, les câbles, effectivement, on voit. Voilà, par rapport à l'autre, Tu vois. Tu vois ça par exemple, c'est neuf. Ouais. Alors que là-bas, c'était les anciens qu'on a. Ça aussi. Tu vois, c'est neuf. Alors que là-bas, c'était l'ancien, on a mis la peinture, mais là, tu vois que c'est neuf. Exactement. Ah. Exactement. Mais bon, moi pour l'instant, j'ai encore mon pot. Franchement, déjà, il est pas mal. Hein. Il est déjà pas mal. Ah, c'est comme j'ai dit, ouais. Il faut juste faire l'entretien de façon régulière. Oui. Éviter le carburant moins cher, l'huile moteur moins cher. Oui. Parce que le mauvais carburant endommage le moteur aussi rapidement. Oui, tu vois? Ça c'est vrai. Donc, entretien bien ton camion, fais l'entretien de façon régulière, vidange, et puis toujours l'huile de qualité, carburant de qualité, tu vois. Oui. Celles-là sont des pièces, tu vois. C'est des trucs neufs là, tu vois. Oui. Des pièces. Oui. Voilà. C'est des pièces,
on peut voir des boulons neufs ici là. Oui. Tu vois? Oui. Comme pour refaire des camions oui. avec, tu vois? Oui. Tout ça là, tu vois? Tout à fait, tout à fait. Là-bas c'est les pièces, on va les voir, tu vois là-bas c'est les câbles là-bas. Oui. Tu vas bien voir les comment avoir, c'est. Le compresseur, voilà. Un peu tout, les on câbles. Peut, on peut jeter un coup d'œil, on peut jeter un coup d'œil. Donc nous ouais. c'est le travail consistant. Oui. Ouais. Donc, ceux qui achètent, oui. ceux qui prennent le Promax, oui. ceux qui prennent le Promax, oui. ce sont des câbles neufs. D'accord. Tu vois? Oui, tu te refais quoi? À neuf. Voilà, tu te refais. Là-bas, ce qu'on a vu, c'est oui. les anciens. Oui. Mais on a nettoyé. Oui. On oui. fait la peinture. Oui. Oui. Mais quand tu prends le Promax, tout ça là, on te remet on met tout du ça neuf. Tout neuf. Là. Voilà, tu vois? Tout neuf. C'est, là, c'est des neufs. Voilà, tu oui. vois? Ça là. C'est du neuf pour le Promax, tu ouais. vois? Tout ça, c'est l'équipement pour... Ouais, avoir des trucs de changement. D'accord. Donc là, d'habitude, quand on fait une commande d'un Pro ou Pro Max, entre le début de la commande et la livraison, la finition du véhicule, il faut compter combien de temps environ? Bon, le temps prend de 2 à 3 semaines. 3 semaines. Lorsqu'on a moins de travail, oui. Même en 12 jours, 13 jours, ouais, on peut finir peut ça. 14 jours. C'est mais des mal. Fois, ça arrive qu'on a beaucoup de travail. Ouais, oui. Tel que là, oui. On avait quoi pendant les 2 semaines oui, là oui, il y avait le, semaines, le contrôle. Mois, franchement, un mois. Oui, le contrôle de oui, le contrôle de. Comment ça s'appelle encore ça? C'est pas sanitaire. L'an de, alors l'envie. L'environnement. Oui, l'environnement. Ah, tu t'es ah, ouais, passé, tu demandais j'ai... non, mais. J'ai complètement ah. oublié. Donc, j'ai augmenté les vidéos, on ne oui. travaillait pas, c'était fermé, c'était oui. propre parce que oui. les autorités devaient venir contrôler, inspecter le travail, inspecter oui. l'environnement, est-ce qu'on prend ça du sol, donc on ne travaillait pas. Oui. Donc, pendant ce temps-là, oui. il y a les gens qui ont donné les commandes. D'accord. Et là, maintenant, on est surchargé parce qu'on oui. a fait un mois, oui. 3 semaines sans travailler. Tu vois, non? Les commandes se oui. sont entassées, ouais. beaucoup ouais. de commandes, ouais. donc beaucoup. Du coup, on est surchargé. Oui. Donc, ce qu'on pouvait faire en 14 jours, oui. on peut prendre peut-être 18, 19, 20 jours. D'accord. Mais d'accord. normalement, en 2 semaines, le travail est fini. C'est bien. Donc là, parce qu'on a fait 3 semaines, 1 mois sans travailler, d'accord. ça prend un peu plus de temps. Un peu plus de temps. Mais sinon, c'est fait en moins mais, de temps. Mais je te vois les vidéos, tu vois, c'est, ici c'est vite, c'est oui, propre oui, là. Oui, j'ai ouais. vu, j'ai donc vu. Là, on vient un peu de reprendre le j'ai travail. Vu. Donc tu vois, c'est. Oui, non, c'est hallucinant avec tout l'environnement. Voilà. C'est formidable. Mais c'est bien, franchement, donc, ça a fait du bien. Vous aussi qui suivez, vos camions seront faits comme ça là aussi. Quand vous viendrez en Chine, vous venez pour vivre tout ça ici là. Donc, merci beaucoup infiniment et abonnez-vous surtout. Et si vous voulez un camion bien fait, contactez-moi, monsieur Ken, et puis je vous vendrai, je vous ferai des camions très très bien faits. Donc, c'est un mot à dire? Non, ouais, non, mais je confirme, comme vous pouvez le voir. De toute façon, j'ai fait un film de mon voyage pour montrer du début de Paris jusqu'ici, pour venir voir exactement ce que M. Kay m'avait dit sur YouTube. Maintenant, vous savez, après, on se dit tous sur YouTube, on entend et on voit le tout et n'importe quoi. Donc, il fallait que je vienne pour m'assurer que tout ça est vrai. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, je suis là. En face des ouvriers, comme vous pouvez l'entendre, ils avaient du mal à m'entendre parce que là ça travaille. Et donc franchement maintenant je suis convaincu et je pense que ça vous servira à vous parce que aussi c'est ça le but, pour vous faire comprendre que c'est que de la réalité voilà. et qu'il n'y a rien de caché, tout rien est de transparent, caché, transparent. Voilà, ouais. et que ça marche très bien. J'espère que ça vous servirait. À vous aussi. Ok, abonnez-vous, surtout abonnez-vous. Merci.